you know, world renowned. It's like we're so far from, you know, Paris, being from Australia, that you, once you're here, so you've got to do it. So you can tell everybody you've done it. On the right of the train to the island of the secretary with a 270 steps. C'est une des images que les gens ont, les visiteurs notamment français ou étrangers. Mais Paris n'est pas une ville chère. Paris est une ville effectivement du luxe, mais pas uniquement. Il y a d'autres aspects de la ville où on peut trouver des bons plans, des bonnes astuces pour découvrir la capitale à moindre coût. Si on veut découvrir les grands musées, les musées nationaux comme le Louvre, le musée d'Orsay ou Versailles, il faut se rendre à Paris le premier week-end, on va dire, de chaque mois, parce que le premier dimanche, les musées sont gratuits. À nous justement de véhiculer cette image de Paris pas cher et de leur donner les clés d'un Paris véritablement à la portée de tous et de tous les budgets. Yeah, it's been really expensive, especially with the dollar being as low as it is, taking out money and the transfer from the US. But yeah, that's why we come here. We have picnics on benches and parks all over the place. So it's a lot cheaper to just go get chicken and bread than it is to actually go out to a cafe and spend €5 on a cup of coffee. Deux Nutella. Bertillon est probablement le plus vieux glacier de Paris. C'est absolument délicieux. C'est une maison qui est tenue par une famille depuis donc 200 ans. Ils font des glaces exquises qui ne sont pas très chères compte tenu de leur qualité. Alors, il faut aller dans le Marais. Vous allez trouver des falafels là, et en particulier chez l'As du Falafel, le meilleur de Paris. Ensuite, elle est à Saint-Michel. Derrière la fontaine, vous allez trouver des petits snacks grecs qui sont exquis. Et enfin, lieu historique, il faut aller au Moulin de la Galette, là, sous les ailes du moulin, exactement où Renoir a peint son fameux bal du Moulin de la Galette. Vous allez pouvoir déjeuner dans une cour fleurie pour 17 euros. Le restaurant donc, du Moulin La Galette, c'est un restaurant qui effectivement propose tous les midis des formules très sympas, très fraîches, avec des produits frais du marché, deux entrées, deux plats, deux desserts qui vont changer tous les jours à partir de 17 euros voire 25 euros. Et le soir, on monte en gamme, on va proposer notre cuisine, beaucoup plus gastronomique dans l'approche. It's a very nice hotel and I love the rooms. It's very comfortable, very clean. It's kind of like staying in your grandmother's house. It's a little old-fashioned and it's very quaint and very comfortable, and I think it's a great value.
Thank you.